je vous accueille aujourd'hui à Nantes, au centre de développement logiciel du groupe Argus, où on va retrouver toutes les activités d'un éditeur logiciel, à savoir le service client qui est disponible pour répondre à nos clients équipés de nos solutions, les équipes de support, à savoir le SAV, la hotline et les équipes de formation. Et enfin, l'ensemble des équipes de développement logiciel regroupées au sein d'une direction R&D. La proximité de l'ensemble des équipes au sein d'une même organisation localisée au même endroit permet de développer des synergies importantes dans le traitement des demandes de nos clients. Ces équipes ont pris en charge l'ensemble des développements du logiciel Planète VO2. On a revu complètement nos approches à la fois sur les aspects technologiques mais aussi sur les aspects gouvernance de projet. Pour résumer, on a deux filières. On a la partie gestion de projet, organisation, où là on est vraiment sur des approches agiles pour travailler sur des cycles courts et pouvoir délivrer très rapidement des solutions à nos clients. La gouvernance adaptée à ces pratiques s'articule autour d'un certain nombre de rituels que l'on pratique quotidiennement, à savoir le daily meeting, qui est la réunion du matin où l'équipe de développement se réunit autour d'un objectif de faire le point sur l'avancement des développements. Nous avons également un rituel que l'on appelle le poker planning, qui permet à l'ensemble de l'équipe de développement de faire un plan sur les estimations de charges de développement. Sur le plan technique, l'architecture du logiciel Planète VO2 s'appuie sur une approche full API qui facilite l'intégration avec des acteurs tiers et avec des solutions tiers, chose auxquelles nous sommes le plus en plus confrontés chez nos clients concessionnaires.